connaissance. L'ennemi a déployé un drone de brouillage. Top 5, la victoire vous tend les bras. 5 étoiles encore opérationnelles. Plus que 3 escouades, restez concentrés. Et yo tout le monde, c'est Rookie. Petite vidéo, c'est pas un gros top 1, c'est un petit top 1. 6 kills, j'ai déjà fait bien mieux, il n'y a rien d'impressionnant. Mais ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est que j'ai utilisé la WSP9. Et du coup, je pense que c'est une arme qu'on voit rarement dans les méta, mais pourtant, elle est quand même très très fiable. C'est un peu une sorte de grosse MP7, je sais pas comment le dire, mais elle a un profil de dégâts qui est quand même correct et un profil de recul qui est également correct. Donc je trouve qu'elle peut largement rivaliser avec par exemple des AMR9 ou encore la HMR9 qui je sais plus où, HRM9 pardon, excusez-moi. Je pense qu'elle peut facilement rivaliser avec ces armes.
comme je vous l'ai montré dans le gameplay. Et donc pour la classe, voilà la classe que j'ai utilisée. Alors canon, moi c'est toujours pareil, j'utilise le canon qui permet de donner le plus de portée de dégâts et de vitesse de balle. Il y a également un peu de contrôle du recul. Et c'est intéressant parce que avec ce canon, on peut pas mettre, enfin on peut rien mettre en termes d'accessoires en bouche. Donc moi je trouve que ce canon est pas mal puisque je m'en sers quand même comme soutien sniper cette arme. Donc il faut quand même qu'elle ait un peu de portée. Si vous voulez vraiment vous en servir comme une SMG avec une AR, je pense qu'il faut l'alléger un peu cette arme. Mais là, c'est vraiment en mode soutien sniper. Donc du coup, recul, bah, poignée lourde de soutien Bruen, hein, ça va de soi. Le viseur, moi, c'est le Nidar modèle 2023. Je jure que par ce viseur en ce moment pour tout ce qui est courte moyenne portée. Le chargeur, bah, on va mettre le max, hein, le 50 cartouches. Même si on est en solo, au moins on est tranquille. C'est du soutien sniper, donc si vous loupez des balles, vaut mieux être à l'aise. Et enfin, en laser, le meilleur laser à mon goût, le Kimura Reel 33, qui permet d'augmenter la vitesse de visée et la vitesse de transition de sprint au tir de manière assez importante. Et également, en fait, c'est un laser par exemple, qu'on voit tout le temps. Donc ça vous permet de faire du tir au jugé. Donc ça fait quand même les deux et c'est pas trop trop mal quand même, je trouve. Voilà, j'espère que vous avez bien kiffé le gameplay, j'espère que vous avez bien kiffé la classe setup et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.